La station de Les Désirs, cela représente 5 personnes à temps plein pendant 20 jours, soit l'équivalent de 2 personnes pendant 50 jours, ou bien une personne à temps plein pendant 3,29 mois, soit une personne à temps plein pendant 4,21 mois ouvrés, c'est-à-dire pendant quasiment un solstice. La petite ceinture, la station de Les Désirs, évidemment, c'est 1438 personnes touchées, ceci en pleine période d'épidémie de grippe, ce qui est particulièrement contagieux. Je vous évite les 36% des bénéficiaires du RSA, dont les 99% de Parisiens, qui étaient 27% en réinsertion et dont 65% avaient un noyau urgent de mort. J'ai pas noté la proportion de personnes mortes. La station de Les Désirs, c'est aussi 28 tags différents. 28 tags différents, dont 12 faits par des graphistes et 6 par des architectes inscrits à l'ordre. La station de Les Désirs, c'est évidemment 386 lancers de pierre sur container, discipline qui, depuis ce projet, a été reconnue discipline olympique et qui fait partie de la candidature aux Jeux Olympiques Paris 2024. Nous remercions le CIO à cette occasion. La petite ceinture, c'est aussi 323 km parcourus sur les dressings. Évidemment, dans le secteur de 400 mètres autour du container, ce représente une moyenne de 46 km par dressing ou par site, ce qui est l'équivalent d'un marathon, ce qui représente quand même 58 allers-retours du périmètre de 400 mètres. Donc au total, je vous épargne quand même certains chiffres autoratifs, au total, ce sont 20 265 faits, 20 265 interactions créées par votre entreprise. Si nous ne les avions pas été là, ils ne se seraient jamais déroulés. 20 265 faits à propos de cette petite ceinture, de cette station de Les Désirs, de ce chemin de fer, un chemin de fer à l'hydrométaire, ou bien peut-être un chemin de ne rien faire. Car pour une fois que moi, Camille Fauchère, islamo-gauchiste, écolo-zadiste, propriétaire du collectif solitaire à géographie variable, suis plutôt partisan du laisser-faire, je vous prie de bien vouloir me noter, car un chemin de fer, c'est aussi un chemin de ne rien faire, qui laisse en l'état, peut-être pas à l'état. Ne pas toucher, ne pas intervenir, ne pas ouvrir, ne pas sortir, ne pas fermer, ne pas déboiser, ne pas planter, colorier, circuler, ne pas faire. L'âge du ne pas faire, pour s'y terrer, y décrire nos langues éthérées, mêler nos origines incontrôlées, croiser nos pas cadencés comme l'on cultive son jardin secret. Elle est à tout le monde. Enfin, à ceux qui savent y accéder, leur espace de liberté qu'ils veulent bien partager et de là le changer. Catastrophe. Esprit catapulte en plein ciel, comme le puissant et sauvage tout sous une décharge à l'air. Canapé à hauteur de la canopée, jardin suspendu sur rail, tribune aérienne pour city stade, chemin de traverse, espace test pour graffeurs néophytes, stand de tir au lance-pierre pour sadistes en formation, le seul endroit où Pierre peut laisser ses affaires la journée. Là où les élèves se cachent des parents aidants en école missionnaire, là où se bouffe illégal sans aucun danger, où l'on rêve de devenir conducteur de train, où l'on apprend la guitare sans ennuyer les voisins, où l'on a le sentiment d'interdit en passant notre obligage. Comme dans un funérus, la ceinture est en vain. Elle ouvre des perspectives inconnues sur nos grands avenirs. J'y passe les doigts sur la cime des prés sauvages. Seul le